Salut tout le monde, c'est Louis. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo mes vêtements streetwear favoris. Alors c'est une vidéo que j'ai faite en septembre dernier et j'avais pris l'idée sur la chaîne de la routine. Donc évidemment je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait, il fait vraiment du bon taf. Donc si ça vous intéresse, allez voir en barre d'infos et allez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Le but de cette vidéo selon moi c'est de vous montrer les basiques qui sont à prendre si vous voulez avoir des basiques. Simplement. Et en plus je vais vous montrer mes vêtements favoris parce que peut-être que ça peut vous donner des idées de vêtements à acheter si vous cherchez des idées de vêtements un petit peu plus originaux, même si ça reste quand même des basiques, mais dans le sens, enfin comment dire ça, c'est-à-dire que si tu les accordes avec une tenue en particulier, ça peut faire quelque chose d'original ou ça peut faire quelque chose de classique. Donc j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire parce que même moi je me suis pas trop compris. On commence maintenant. Alors mon premier vêtement streetwear préféré c'est un crew neck Adidas, rien de plus simple et rien de plus basique. Basique. C'est vraiment un article qui va à l'essentiel, il n'y a pas d'originalité dedans, c'est vraiment très très simple avec les petites bandes Adidas sur le côté, les petites bandes blanches qui sont plutôt pas mal, la petite bande qui coupe la manche en deux, le petit signe Adidas qui est au milieu. Ça c'est cool comme ça quand vous mettez par exemple un manteau ou quoi, on voit quand même le petit signe Adidas et je trouve que ça rajoute encore une fois un petit truc à la tenue parce que ça habille un petit peu le milieu du torse qui souvent est vide à part si vous mettez une chaîne comme moi j'ai mis aujourd'hui. Il me semble qu'il m'a coûté 60 ou 70 euros sur Asos. Après je sais pas du tout s'il est encore disponible sur Asos, mais s'il est disponible de toute façon n'hésitez pas à checker la barre d'infos parce que je vous mettrai le lien. Alors personnellement je l'ai pris en M et je fais du M, donc ça tombe bien. C'est un crew neck oversize, donc évidemment il taille un petit peu plus large, mais je trouve que c'est un effet qui fait cool. Alors après ce que j'aime moins c'est le col, je trouve qu'il est vachement, comment dire ça, pas élargi, mais en fait ça laisse vraiment dépasser un petit peu votre dos et je sais pas forcément un effet que j'aime beaucoup. Ensuite on reste dans l'optique d'habiller un petit peu le milieu du torse. Et donc c'est une petite chaîne que j'ai acheté sur Asos pour 30 euros qui vient de la marque c'est Humble quelque chose, mais de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que là je m'en souviens plus du nom, mais de toute façon il y a plein de chaînes comme ça sur Asos. Alors celle-ci est en rectangle alors que celle-là est en forme sphérique on va dire, mais je préfère quand même celle-ci parce qu'elle est plus lourde et du coup elle va moins bouger dans la journée. Par exemple des fois je m'habille tout en noir, je mets des chaussures blanches ou des chaussures d'une couleur et je mets ça et franchement ça fait toute une tenue, la tenue reste jolie mais sans forcément de grandes originalités qui sont faites. Oui. Et en plus c'est une tenue super simple, t'as pas à réfléchir 20 ans pour faire ta tenue. Donc franchement dans les jours où t'as la flemme, tu mets une chaîne, une tenue simple et c'est parti. Donc évidemment ce que je vous montre ça coïncide pas forcément avec la météo, mais de toute façon même en été des fois il fait 15 degrés, 20 degrés et donc c'est le moment de mettre ton crew neck Adidas ou ton jogging Adidas que je vais vous montrer juste après. Donc j'espère que vous avez compris parce que je vous ai même pas prévenu. Alors ensuite nous avons ce petit t-shirt que j'ai acheté sur Asos. En fait c'est un t-shirt à maille, à grande maille, en fait je sais jamais comment on appelle ça. Et je me souviens dans le hall où j'avais présenté ce t-shirt, j'avais complètement bégayé pour essayer de trouver le nom. Donc là je vais pas bégayer, je vais juste vous mettre le lien en barre d'infos, même si je sais pas du tout si c'est encore disponible ou pas, mais je verrai bien. Et en fait ce que j'aime bien dans ce t-shirt c'est que du coup, je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait vraiment la lumière passe, donc c'est vraiment des gros trous. Et en fait ce qui est cool c'est qu'en dessous tu peux mettre un t-shirt de couleur et en fait ça va faire ressortir soit une couleur du haut ou tu peux mettre carrément une couleur complètement différente du haut. Franchement tu peux vraiment t'amuser avec les couleurs, tu mets ça avec un t-shirt en jean, des petites tongs ou des petites baskets. Ça te fait une tenue originale pour peu cher et en plus sans forcément penser 20 000 ans à ta tenue. Encore une fois on est dans l'esprit simple, rapide, donc c'est bien d'aller à l'essentiel parce que l'essentiel c'est essentiel. Voilà, merci. Ensuite nous avons le même t-shirt mais d'une autre couleur. Alors celui-ci est blanc, un peu un marron jaune, enfin un jaune moutarde. Ensuite il y a un noir, un espèce de bleu et un rouge... pas rouge rouge mais rouge quand même. Encore une fois là tu t'amuses et tu peux même un petit peu plus t'amuser parce que les couleurs ressortent encore mieux sous le blanc. Mais aussi je vous ai pas dit, le t-shirt est un petit peu épais, donc c'est quand même de la maille, donc c'est un petit peu épais pour l'été. Donc quand il fait vraiment très très chaud, genre 30-35 degrés, vaut mieux pas non plus trop tester. Et alors par contre le petit bémol c'est que je me souviens plus du tout en quelle taille je l'ai pris parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a pas du tout la taille. Alors d'habitude il y a, mais je sais pas pourquoi il y a pas. Alors ensuite un autre basique, un petit jogging Adidas. Alors si vous avez un petit peu l'œil curieux, vous devez remarquer que c'est le bas du sweat que je vous ai présenté en tout premier parce qu'en fait j'ai bien aimé les visuels de l'ensemble, sauf que évidemment, enfin personnellement je mets pas l'ensemble. Alors par contre celui-là il m'a coûté plus cher que le crew neck, je crois qu'il m'a coûté 80 euros, mais comme il y avait un code promo moins 20% sur Asos, je me suis dit eh ben Louis fonce parce que ça fait longtemps que je voulais un jogging. En fait j'avais déjà un jogging Adidas comme ça, mais c'était un jogging à pression et malheureusement les pressions c'est super cool hein, franchement j'ai rien à dire, c'est vraiment un jogging que j'ai mis et que j'aime bien, sauf que le mettre au lycée c'est un peu problématique parce que si t'as quelqu'un qui est super drôle, il arrive derrière toi, il t'enlève ton jogging vraiment en 2 secondes parce que les pressions elles te lâchent mais d'un coup. Alors j'ai pris en S parce que c'est vrai que faites gaffe, les joggings Adidas généralement ils taillent super grand. Ce jogging je le mets pas au lycée, je le mets quand je veux rester chez moi pour quand je suis en week-end et que je sors pas, ou quand je vais faire les courses ou des trucs comme ça, enfin vraiment des trucs simples, basiques. Orelsan il me suit dans cette vidéo, c'est un truc de ouf. Ensuite on reste dans les bas, c'est un pantalon cargo. Et je pense que pour ceux qui me suivent sur ma chaîne et pour ceux qui me suivent pas et qui me découvrent dans cette vidéo, enchanté, je m'appelle Louis et j'adore les pantalons cargo. C'est vraiment des pantalons que
que j'aime. La coupe est super cool, et notamment pour ceux qui sont super maigres, voilà, pour ceux qui sont vraiment fins et qui complexent un peu d'avoir des jambes fines ou des jambes pas musclées, etc. Ça épaissit vraiment vos jambes, et je pense que ça peut vous aider à combattre votre complexe, parce que je sais que c'est quand même un complexe pour pas mal d'hommes, même pas mal de femmes aussi. Et moi c'est pas mon problème, parce que bah j'ai des jambes assez des jambes normales quoi. Mais même si j'ai des jambes normales, les pantalons cargo, je trouve que c'est vraiment une coupe qui me va. Celui-ci c'est un H&M que j'ai payé 30€, je l'ai pris en 31, ce qui équivaut à du 38-40. Alors ceux-là tu peux les resserrer, vous savez, en bas, hop, tu fais un petit nœud et ça fait un petit côté cool. Après des fois même je le laisse vraiment comme il veut, parce que des fois j'ai la flemme de le resserrer. Mais après je sais qu'ils font des pantalons cargo qui sont directement resserrés, et t'as pas besoin de les resserrer toi-même. Mais c'est pas, enfin j'aime pas trop moi le resserrage automatique. Enfin je trouve que c'est pas un effet qui est super joli. Mais encore une fois vous faites ce que vous voulez, et je vous conseille vraiment ceux de H&M. Mais aussi je sais que notamment ceux de chez Carhartt, ils sont bons, j'en ai jamais testé parce qu'il y a pas de Carhartt et j'ai la flemme de commander sur Asos. Et Dickies, je crois que Dickies ils font aussi des cargos qui sont pas mal. Donc n'hésitez pas à checker ça, parce que pourtant le cargo c'est vraiment un putain de basique. Alors ensuite, le dernier vêtement de cette vidéo, même si c'est pas un vêtement, c'est une paire de chaussures. Ce sont mes Air Force One Low NBA, avec vous savez les petits lacets avec plein de nacres dessus et le petit détail NBA ici. C'est une chaussure qui est confortable, qui est pas chère, qui est simple, basique, qui peut se mettre avec tout. En plus qui est vraiment résistante pour le coup. Là je les ai prises en blanche, mais elles sont vraiment en toutes les couleurs. Il y a plein de collabs, plein de matière, parce que là c'est en cuir il me semble. Mais franchement t'en as pour tous les goûts et tous les prix, c'est une valeur sûre. Donc franchement moi c'est ce que je vous conseille, mais encore une fois vous faites ce que vous voulez. Alors après évidemment, enfin je peux vous montrer des petits sweats, voilà. Là c'est un sweat Carhartt gris que je mets souvent. Là c'est un petit gilet Calvin Klein que j'avais eu en solde genre à 70€. Mais en fait ça c'est des trucs, enfin en fait les sweats à capuche etc, je vous les montre souvent, enfin je vous en montre souvent. Donc je voulais pas vous en montrer encore cette vidéo, parce que bah je vous en montre déjà assez. Mais c'est encore une fois des basiques que vous pouvez mettre avec tout, en tout temps vraiment, enfin même en été quand il fait pas très très chaud. Ça je pense que vous avez pas besoin de moi pour un petit peu vous aiguiller vers ça. Enfin même si vous avez pas besoin de moi de base, je me prends pour qui en fait. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne, ça fait grave plaisir, parce que là on est bientôt 85 000 je crois. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vêtements qui vous ont plu, les vêtements qui vous ont pas plu. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche à 16h. Salut.